Et oui, je sais, beaucoup, beaucoup n'aiment pas la vulgarité de Trump. Beaucoup estiment qu'il en fait trop, que c'est vulgaire, que c'est vraiment très, très, comment dire, grossier. Ils appellent ça un grossier personnage. Enfin, toutes nos golfines ne peuvent pas le supporter. Nos gens, vous savez, qui sont si bien éduqués, qui sont si élégants et qui ont des belles manières. Oui, on aime l'élégance à la française, mais on peut dire que l'élégance à la française, c'est aujourd'hui une parodie d'élégance. Et moralement ou mentalement, et là, pour le coup, on touche les bas-fonds du côté sordide et vulgaire et en même temps hyper décadent. Donc nos élites françaises qui veulent toujours donner des leçons à la terre entière d'élégance, de bienséance et de savoir-vivre, qu'elles commencent par déjà intérieurement laver les spectres qui les habitent, et qu'ils se défassent de leur lâcheté, de leur hypocrisie. Pour moi, la vulgarité, c'est ça avant tout. Mais le personnage de Trump, je ne vais pas essayer de le défendre parce qu'il y a des aspects de lui qui sont certainement indéfendables, mais moi j'aime ça. J'aime ça dans le contexte où nous vivons. C'est-à-dire, j'aime ce côté provocateur. Alors, je ne sais pas s'il va remporter les élections, mais j'aime ce côté provocateur et à chaque fois qu'il prend une initiative comme celle qu'il a prise à aller à McDonald's parce que la candidate qui est en face de lui a prétendu qu'elle avait travaillé chez McDo, alors c'est faux, donc il a sauté au bond, il a fait une mise en scène tout à fait remarquable sur le plan de la communication, et je trouve qu'il y a une forme de chez Trump, il y a une forme de génie pour toucher le peuple, et ça, personne n'a ça chez nous en France. Très peu de gens qui ont ce génie-là. Ils n'y arrivent pas. Je dirais que la plus à droite pour toucher le peuple, c'est Marine Le Pen. Elle est proche d'une certaine manière aussi. Mais ça ne se commande pas. Ça ne se force pas. C'est comme ça. Et ça ne dépend pas de votre richesse ou du fait que vous soyez pauvre ou riche. Ça n'a rien à voir, ou cultivé ou pas cultivé. Soit vous avez une forme de lien avec ce qu'on appelle le peuple, la population globale, dans ce qu'elle est, et sans dénigrement. Et là, ça fonctionne, ça fait tilt et ça marche. Soit vous ne l'avez pas, comme Zemmour. Vous avez beau avoir des bonnes idées, comme Zemmour, tout ça, il n'a pas ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Et Trump, finalement, n'est pas si vulgaire que ça, parce qu'il n'est pas vulgaire avec les gens. Il n'est pas du tout vulgaire dans son comportement avec les gens du quotidien, justement. Il se comporte même bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se comporte ici, et il ne le sait pas, mais inconsciemment, il est au service du peuple. Et là, en faisant cette parodie, cette séquence de communication, évidemment, en même temps, il dit « Moi, je suis votre service, je vous sers. » Et c'est une forme de rituel, une forme de rituel, vous savez, c'est une forme de rituel, je dirais, désacralisé, une forme de rituel profane, mais qui, malgré tout, sonne juste. Parce que celui qui a le pouvoir, à celui à qui on délègue le pouvoir, est notre serviteur, en quelque sorte. Et là, il joue ce rôle, dans un contexte, évidemment, qui n'est pas, nous, Français, très, comment dire,
très valorisant parce que c'est un McDo et nous on aime évidemment la grande cuisine. Mais lui, il a touché le peuple. Il savait qu'en allant dans un McDo, et vous allez voir les images, je vais les faire défiler là pendant que je parle, il touche des gens simples. Il touche des gens du quotidien, il touche des employés. Et en faisant cette... je crois que là, il a gagné des points. Il a gagné des points auprès, justement, du petit peuple qui bosse. Parce que il s'est mis à la place d'un quelqu'un, d'un employé qui travaillait chez McDo. Alors, je vois tous les arguments que peuvent, évidemment... Je vois tous les arguments que peuvent apporter, qui peuvent, comment dire, contredire ce que je dis. Je vois les arguments disant ouais, c'est du cinéma, c'est de la propagande, il sera pas meilleur que les autres, etc. Oui, ça, c'est pas le sujet. Il s'agit pas d'argumenter, il s'agit simplement de. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je vois une forme de d'intelligence dans quelque chose que n'ont pas les autres. Il y a une intelligence de situation et je trouve que là, ça fait du bien. Ça fait du bien et je le dis comme je le pense. Et ce que j'aime aussi, alors là aussi c'est mon côté provocateur, c'est qu'il casse les codes vraiment d'une manière intelligente. Il ne casse pas les codes pour justement déconsidérer la fonction ou rabaisser la fonction présidentielle. Il casse les codes au niveau de l'intelligentsia ou des gens qui ont un pouvoir et qui sont souvent des parvenus d'ailleurs, mais qui ont un pouvoir et une distance vis-à-vis des gens. Et lui, il brise cette distance que ressentent les petites gens. Et je trouve que là, il exerce très très bien il exerce très bien son mandat de candidat, je dirais, pour l'instant, parce qu'il n'est pas encore président, mais il existe très bien. Et je crois que ça va fonctionner malgré que évidemment, ils vont mettre tout, ils vont tricher, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que Trump ne passe pas. Mais quand vous voyez l'autre d'Inde qui rigole, je ne sais même pas son nom, là, ça ne m'intéresse même pas. C'est une idiote, ça se voit immédiatement. Elle n'a rien dans le citron. Mais c'est évident, Trump, il va négocier la paix. Il va négocier immédiatement la paix. Et il va régler le problème de l'Ukraine très rapidement, c'est évident. D'ailleurs, les Russes attendent que ça. Donc tout dépend de comment ça va se passer dans 15 jours, évidemment. Le truc, c'est que on aurait besoin chez nous de gens comme ça. Alors, De Villiers, à sa manière, pourrait faire ça. De Villiers, à sa manière, si vous voulez, il a l'élégance, il a un certain maintien que n'a pas Trump, mais il est capable, De Villiers aussi, d'être proche des gens. Il en est tout à fait capable. Ce serait un bon candidat pour nous. Malheureusement, il s'est retiré de la politique et on ne peut pas compter sur lui. Mais évidemment, De Villiers a un autre épaisseur, surtout sur le plan de l'expérience d'une part, et puis aussi de intellectuel. Il a une autre ampleur que Marine Le Pen, qui, elle, même si elle est assez populaire et qu'elle passe bien auprès du peuple, il lui manque quelques ressources sur le plan mental et intellectuel, je pense en tous les cas. Et qu'on aimerait bien quelqu'un de plus étoffé comme De Villiers. Mais malheureusement, De Villiers sera jamais candidat, son heure est finie, quoi. Il est bien pour commenter l'actualité comme il le fait sur CNews, mais voilà, ça n'ira pas plus loin avec De Villiers. À moins vraiment d'une catastrophe et qu'il y ait besoin d'un recours particulier, et là peut-être que... Mais on n'en est pas encore là, malgré que la situation en France se dégrade vraiment à grande vitesse. On le voit avec les OQTF, enfin, c'est une catastrophe. Il y a des crimes tous les jours, des coups de couteau tous les jours, avec une impunité totale. C'est de la pure folie ce qui se passe actuellement, de la pure folie. Donc effectivement, moi j'en ai rien à faire qu'un type soit vulgaire ou pas vulgaire. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un Trump à nous qui fasse le ménage et qui résout tous nos problèmes, qui remette de l'ordre dans la maison. Et je crains que... Il faut des bulldozers dans la situation actuelle. Il faut des gens courageux et bulldozers. Il ne faut pas des gens, des gens qui sont peut-être très bien sur eux, très polis, mais qui sont inactifs, quoi. Qui sont
ne sont pas opératifs, quoi. On a besoin aujourd'hui de gens de bulldozers pour renverser la table. Parce que les autres, avec leur belle éducation, leurs beaux costumes et leurs belles manières, ils font rien, quoi. Si ce n'est trahir, toujours trahir. S'il y a un discours, puis derrière, ils font rien du tout. C'est ce qu'on va avoir là comme gouvernement, bien entendu. Alors, je préfère effectivement un Trump, un peu bulldozer, un peu gros rentre-dedans, mais je pense que dans les circonstances où on est, il faut un gars comme ça, dépourvu de complexe, qui fonce dans le jeu de quilles et qui renverse tous ces bobos, cette merde gauchiste et tout ce gauchiste, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il n'y a que ça. Et si vraiment Trump gagne, on va se régaler, c'est avoir la gueule des gauchistes. On va aller voir Quotidien, on va aller voir toutes ces émissions, ils vont tous pleurer. Enfin, c'est un rêve qu'on a de voir leur tête. Moi, rien que pour voir la tête des gauchistes, quand Trump va gagner, ça fait du bien, quoi. De les voir se morfondre et être humiliés par la défaite. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il gagne, parce qu'il y a une telle puissance de l'État profond qui veut empêcher son élection que, à mon avis, ils vont tout faire pour le faire perdre par tricherie ou je ne sais quelle autre astuce. Mais ils sont capables de tout. Ils sont capables de sortir de leur chapeau un truc pour désinguer le personnage. Ça, c'est fort possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée sur ce, et puis on se dit à bientôt.